Hello. Je vais attendre une petite minute que tout le monde ait le temps de se connecter. Je suis un petit peu en retard. Enfin non, d'ailleurs, je suis arrivée à 31. Je vous laisse prendre le temps de venir vous installer tranquillement. De vous poser dans un endroit calme, confortable, dans lequel vous vous sentez bien. Tout simplement vous reconnecter un petit peu à ce que vous avez vécu lors de la première expérience. Si vous avez vu en replay ou si vous avez participé au live de la semaine dernière. Je vais désactiver les commentaires pour pouvoir commencer, puis je les réactiverai à la fin. Hop, voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, ou pour ceux qui auraient regardé en replay depuis la dernière fois que vous m'avez vu en replay. La semaine dernière, on a parlé de ce qu'était ou de ce que n'était pas l'hypnose, de comment ça fonctionnait un petit peu. Et également, je vous ai fait tester deux, trois petites choses pour voir déjà ce qui se passait à l'intérieur de vous, ce qui était plus facile de ressentir ou pas. Je vous invite vraiment à refaire ces tests-là. C'est intéressant de voir comme les choses évoluent, de voir aussi que ce qui était le moins évident devient de plus en plus évident au fur et à mesure qu'on le vit. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu, vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, cet outil qu'est l'hypnose, comment est-ce que ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans des grandes théories à tout vous expliquer, mais je voulais vous expliquer deux, trois petites choses qui pourraient également vous servir en auto-hypnose. L'idée, c'est de se dire qu'on fera un live, je pense, sur l'auto-hypnose plus en détail. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un petit peu. Et après, je voudrais vous montrer comment vous pouvez déjà vous, même en ayant juste cette petite notion-là, eh bien, utiliser votre corps et donc votre inconscient à travers le corps pour faire eh bien, comme un pendule pour obtenir des réponses qui seraient oui ou non. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que je voulais vous dire, donc comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, donc l'hypnose, c'est un outil. C'est pas un état. L'état, c'est la transe. L'état, c'est la modification d'état de conscience. L'hypnose, c'est simplement un outil de communication avec lequel on va aller chercher à modifier l'état de conscience de la personne pour pouvoir eh bien, communiquer avec les parties inconscientes. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ça fonctionne avec ce qu'on appelle le yes set. Le yes set, c'est en gros faire valider à la personne ce qu'on lui dit. Donc en gros, si votre inconscient lui dit une chose et qu'il dit oui, on lui dit une deuxième chose et qu'il dit oui, on lui dit une troisième chose et qu'il dit oui, on va lui dire une quatrième chose pour l'emmener quelque part et de manière eh bien, inconsciente, il va se dire que c'est oui, puisque ça suit. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'absurde, mais si par exemple, je vous dis, vous êtes assis, assise, vous écoutez le son de ma voix, vous respirez. Et alors simplement, votre concentration, elle va pouvoir être de plus en plus importante sur ce que vous ressentez. Votre concentration, elle se fait un peu plus importante. Votre respiration commence déjà à simplement se modifier au fur et à mesure que cette concentration se modifie. Et alors, vous allez simplement pouvoir porter votre attention au niveau de votre pied gauche. Voyez simplement comme le fait de vous dire au départ, eh bien, que vous êtes assis, oui, a priori, sauf si ce n'est pas le cas, que eh bien, vous respirez, oui, a priori, que vous entendez ma voix, donc a priori, oui, sauf si je parle dans le vent, et que du coup, votre concentration va pouvoir être de plus en plus importante. En fait, votre inconscient va valider ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le yes set. Et c'est comme ça, en fait, que fonctionne l'outil d'hypnose. En gros, évidemment, il y a plein de subtilités, il y a plein de choses qui se rajoutent. Ça, je vous le dis, puisque en auto-hypnose, c'est ce qu'on utilise pour venir se reconnecter à soi ou pour venir travailler sur soi.
Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser tout le temps, même quand vous voulez peut-être faire de la méditation pour un peu plus rentrer dans une bulle. L'idée, c'est de venir faire donc un yes set pour dire oui. Et quelque chose qui va se transformer en oui. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle la ratification. La ratification, c'est simplement dénoncer des choses qui sont factuelles. Je suis assise, je regarde mon propre reflet sur mon écran de téléphone et je me concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Okay? Donc je suis assise, c'est un fait, c'est factuel, je ne peux pas le contester. Je regarde mon écran. Mon visage sur mon écran de téléphone, salut, c'est un fait, c'est factuel, je ne peux pas le contester. Et eh bien, je me concentre sur ce qui se passe davantage à l'intérieur de moi. Donc là, à partir du moment où mon cerveau il a fait oui, il va se dire ok, et il va amener cet état-là. Ok? Ça, c'est ce qu'on va utiliser du coup pour aller faire le pendule debout. Du coup, je vais vous inviter simplement à vous mettre debout. Avoir juste un petit peu d'espace autour de vous, il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Vous posez simplement sur vos pieds, donc a priori vous êtes debout. Vous pouvez ressentir le poids de votre corps sur vos pieds. Vous laissez simplement votre respiration se faire. Et déjà vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. De quelle manière est-ce que le fait de ressentir le poids de votre corps sur vos pieds peut déjà commencer à vous faire vous connecter davantage à l'intérieur de vous, à vos ressentis? Ici, prenez conscience de la manière dont vos ressentis changent. Vous respirez. Peut-être que vous fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous les laissez ouverts et c'est ok. Et à mesure que vous entendez le son de la voix, vous pouvez simplement laisser relâcher la journée, venir vous poser dans cet espace-temps, vous connecter complètement à vous-même. Et plus vous vous connectez à vous-même, plus les ressentis vont grandir, évoluer. Et plus les ressentis peuvent grandir et évoluer, et plus tout ce qui se passe à l'extérieur, ça peut simplement rester à l'extérieur. Comme si vous pouviez visualiser comme une grande bulle autour de vous. Grande bulle qui bloquerait tous les bruits, autres que ceux de la voix qui vous parle, et qui vous permettrait de intérioriser encore davantage. Vous laissez tous les bruits extérieurs à l'extérieur, vous pouvez simplement vous concentrer sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à mesure que vous entendez la voix, alors vous pouvez davantage prendre conscience du poids qu'il y a sur les pieds, dans le bas du corps. Quand on est debout comme ça, qu'on a les pieds sur le sol, parfois on peut déjà commencer à ressentir comme le corps peut tanguer. Peut-être un petit peu comme si on était sur un bateau. Et tout en gardant l'équilibre, vous pouvez simplement laisser faire, tout doucement, dans un premier temps. Peut-être même de manière très peu perceptible. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer là-dessus, vous pouvez simplement laisser faire, laisser venir ce qui vient. Puis à mesure que le corps peut simplement d'aller d'avant en arrière, vous allez simplement pouvoir laisser votre inconscient vous donner des réponses. Dans un premier temps, je vous invite à poser des questions très simples. Laquelle la réponse peut simplement être oui ou non. Peut-être que vous pouvez simplement demander comment vous vous appelez, si vous vous appelez bien et votre prénom, et voir dans quel sens votre corps va, s'il va vers l'avant, s'il va vers l'arrière. Simplement pour savoir dans quelle direction il va, quand c'est pour dire oui.
Peut-être qu'il dit oui en allant vers l'avant, peut-être qu'il dit oui en allant vers l'arrière. Laissez simplement les choses se faire. Et puis de la même manière, simplement pour bien confirmer que de l'autre côté, c'est bien le non, je vais vous inviter à poser une question pour laquelle la réponse serait non. Et de simplement laisser le corps, eh bien, aller là où il veut vous emmener, a priori de l'autre côté. Écoutez-vous simplement, laissez juste le mouvement se mettre en place. Si ça prend du temps, c'est ok. Si ça va vite, c'est ok. Tout est ok. Peut-être même que ça bouge très peu et ça aussi c'est ok. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps ou peut-être que ça marche très bien tout de suite. Et puis une fois que ce sera bon, vous allez simplement pouvoir revenir au centre. Et si vous le souhaitez, posez une autre question. Peut-être une question qui vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Une question dont la réponse serait oui ou non. Chose dont votre inconscient pourrait avoir la réponse, quelque chose qui ne concerne que vous. Et voyez simplement où il vous emmène, si c'est vers l'avant ou si c'est vers l'arrière, si c'est vers le oui ou si c'est vers le non. Laissez simplement la respiration accompagner le mouvement. Et accompagner votre expérience. Autorisez-vous. Autorisez-vous ces petits mouvements. Autorisez-vous ces questions. Et puis si vous allez simplement pouvoir ancrer quelque part à l'intérieur de vous d'une manière très inconsciente, cet espace dans lequel vous êtes, pour pouvoir y revenir dès que vous en aurez envie. Pour cela, vous pourrez simplement fermer les yeux, repenser à cette histoire de pendule avec le corps, vous reconnecter au poids de votre corps sur vos pieds, sur le sol. Et dès que vous en aurez envie, vous pourrez juste en fermant les yeux et à repenser, en repensant à tout ça, et bien simplement de nouveau poser une question à votre inconscient. Une fameuse question qui aurait une réponse qui serait un oui ou un non. Et alors votre inconscient pourra simplement vous donner sa réponse une nouvelle fois, en allant vers l'avant ou en allant vers l'arrière. De la même manière qu'aujourd'hui, sans même avoir besoin de vous reconnecter à cette vidéo. Ok, quoi qu'il arrive, je vais vous inviter à simplement revenir au centre, à retrouver un équilibre bien plus certain, à simplement prendre une grande inspiration, à expirer, à retrouver cet espace-temps, tout ce qui peut y avoir autour de vous. À laisser la lourdeur des pieds venir s'atténuer, à laisser le corps peut-être prendre en mobilité un petit peu dans tous les sens. Peut-être que vous pouvez recommencer à bouger les mains, à bouger les pieds. Et alors dès que vous serez prêt, dès que vous serez prête, vous pourrez prendre une très grande inspiration. Expirer et simplement venir ouvrir les yeux, venir eh bien de nouveau dans cet espace dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez bouger, vous pouvez bâiller, vous pouvez vous étirer. Je vous invite à, comme à chaque fois en fait, à aller boire juste un bon verre d'eau, à prendre un petit peu l'air, le temps de redescendre. Et puis je vous invite surtout à retenter cette expérience dès que vous en aurez envie, si vous avez envie à un moment donné de simplement reposer. Bien une question à votre inconscient, sentez-vous libre de le faire juste en vous reconnectant à cette sensation que vous avez eue aujourd'hui.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle expérience avec ça. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, donc pour un nouveau jeudi hypnotique la semaine prochaine. Je vais vous expliquer, je vais vous faire tester comment on peut amplifier une émotion agréable. Je pense que ça promet de très belles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou à m'envoyer un mail. Sinon, eh bien, vous retrouverez le replay, si je ne fais pas la même bêtise que la semaine dernière, directement sur ma page Instagram. Je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite.